Enfin, Monsieur le député de Verchères, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est le 27 septembre dernier que nous avons souligné, à l'occasion du souper spaghetti de la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur, le 20e anniversaire de cette remarquable organisation vouée à l'amélioration des conditions de vie des résidentes et résidents du Centre d'hébergement de Contrecœur. On parle ici, Monsieur le Président, de 20 années de dévouement exemplaire consacrées au mieux-être des bénéficiaires, ce qui se traduit par l'achat d'équipements adaptés, la mise en place d'un milieu de vie chaleureux, ainsi que l'organisation d'activités thérapeutiques et récréatives. Tout cela avec pour objectif d'assurer confort et divertissement au quotidien à ces membres à part entière de notre communauté, à qui nous devons tant, contribuant ainsi à égayer leur séjour et le rendre toujours plus agréable. Qu'il me soit donc permis d'exprimer aux dévoués membres de la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur toute ma gratitude et mes plus chaleureuses félicitations pour leur engagement indéfectible. Longue vie à la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur, ainsi qu'à ses valeureux bénévoles, au personnel du Centre d'hébergement de Contrecœur et à ces personnes inestimables qui sont au centre de leur attention. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Verchères.